Eh bien, salut à tous, c'est Cyril. On se retrouve aujourd'hui, les amis, pour une nouvelle vidéo. On va continuer la petite série Un jour, un match. Aujourd'hui, on va s'attaquer à la compétition qui tourne autour de la Bundesliga. Elle s'intitule, bien sûr, la German Kickoff. Rappelez-vous ce que vous avez pu voir sur la chaîne, c'est exactement pareil que pour la Ligue 1, la BBVA, etc., etc. Et là, il faut bien 18 joueurs de Bundesliga, ce qui est très intéressant. Rappelez-vous, ils avaient fait la même chose aussi pour la LG League, mais seulement, je crois, avec 7 ou 8 joueurs. C'est totalement débile. Là, au moins, on est sûr de jouer et de tomber que contre des Bundesliga. Donc, c'est parti, on va faire la finale en vidéo. Je vais présenter mon équipe, mais avant, on va parler un petit peu de mon parcours qui a été quand même assez simple. Faut être franc, 3 à 0 en huitième de finale. Rashkit au bout de 40 minutes de jeu, je crois. 5-1 en quart et 2 buts 1 en demi-finale. En demi-finale, je trouve que c'est un très bon joueur. Il avait notamment pas beaucoup de joueurs colorés, mais Neuer Tucci au cage. Ce fut très compliqué pour remporter ce match. On part pour la finale avec cette équipe. La voici. Une équipe qui est composée de 3 tots, 2 informes ainsi qu'une carte futile et bien sûr des cartes régulières. Alors, on va commencer vite fait par le gardien. Leno, très satisfait. Sa dernière version, version 1,86. Dans l'axe, Matip Tots avec Bartra transféré. C'est une défense assez rapide, vraiment bonne. Franchement, j'ai apprécié énormément. Après, il manque un petit peu de physique. C'est vrai pour Marc Bartra. À droite, Piszczek. À gauche, nous avons le Suisse Rodriguez. Au milieu de terrain, alors là, c'est des pépites. J'adore ces joueurs sur le terrain. Le premier, c'est Daoud. Alors, c'est un petit peu le joueur défensif de cette équipe. Je rappelle que ceux qui connaissent Mahmoud Daoud, de base, au début de FIFA 16, il était bronze. Et à chaque fois, il a gravi les paliers en faisant des cartes informes bronze, en passant argent et en passant tots or à la fin. Donc, statistiques sur la carte sont assez homogènes, mais elles sont très très boostées. Pourquoi? Parce que de base, il partait bien sûr avec un 64 bronze et il finit à 83. Donc là, les statistiques in-game sont très 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 développées. On a Hakan Çalhanoğlu, le Turc du Bayer Leverkusen qui jouera contre Monaco. 13 matchs, 9 buts, 6 passes décisives. Donc un super ratio pour un MC. Et je me régale tout ce qui est coup franc et frappe de loin, quoi. C'est magnifique avec lui. Et au milieu de terrain, mon petit préféré, Thiago Alcantara, 13 matchs, 7 buts et 9 passes décisives. Les ailiers sont assez intéressants. On commence par Belarabi informe à 85 de général. Et à gauche, on a Kaiser Frank. Voilà, donc vraiment bon. Après, vous avez possibilité de jouer Kroos ou Ribéry, comme je vous l'ai dit. Moi, je préfère Ribéry pour l'aspect folie, puisqu'on est à 5 étoiles. Mais si vous aimez des ailiers qui marquent beaucoup de buts, prenez Kroos, qui a nettement une meilleure finition, tout simplement. Et en pointe, nous avons Chicharito, version Tots. C'est parti, les amis, on va essayer de remporter cette finale. C'est la première fois que j'arrive en finale. Alors, je crois que c'est la première tentative. J'ai fait un peu de match avec cette équipe en Coupe Gold et ainsi qu'en match en ligne, etc. Et franchement, cette équipe est assez fun à jouer. Le milieu de terrain, j'apprécie énormément. Alors que ce soit Daoud, Thiago Alcantara ou Çalhanoğlu, c'est on va dire plus des joueurs offensifs que défensifs. Même si Daoud, défensivement, il est plutôt pas mal. Mais une équipe assez fun à jouer. Puis bon, j'ai testé des petits joueurs que j'ai pas l'occasion vraiment de tester. Bellarabi, j'ai pas beaucoup joué avec lui. Tout comme la défense Matip, c'est la première fois que je testais Matip Tots, puis Bartra, etc. Bon, bah, c'est les joueurs transférés. On les connaît. Allez, on se retrouve dès qu'on a trouvé un adversaire. Allez, les amis, on se retrouve pour cette finale. On va jouer à domicile. Ouh, la balle maillot jaune, il est très joli. Donc, c'est parti pour cette finale, en espérant ne pas affronter une équipe full Tots, parce que ça m'arrive fréquemment. Non. Ouais, belle petite équipe. Ouh, ouais, pas mal, pas mal. J'aime bien le terrain, parce que Luis Gustavo est très bon. Tout comme bien sûr des joueurs comme Zunzovic ou alors Gundogan, qui correspond un petit peu à la mienne. Bonne défense avec Leno et surtout Hummels qui est très solide. Sokratis un peu de vitesse avec Oppa, etc. Ouais, une belle petite équipe en tout cas. En espérant bien sûr les amis bah, remporter cette finale, hein, ce qui est logique. Bien joué, bonne petite relance de Leno sur Piszczek là. Alors on va accélérer un petit peu le jeu là. Voilà, on peut produire un beau jeu en passe avec cette équipe. Hein. Belarabi, fin de frappe. Allez, pied gauche de Belarabi. Voilà, 1-0, les amis, on commence bien ce match. Une belle petite action collective en passe, comme on les aime. Et c'est Belarabi à la finition du pied gauche. Voilà, assez à l'aise des deux pieds. Un petit peu de crochet pour faire la différence. Une fin de frappe pour se recentrer. Puis une frappe du pied gauche qui va tromper les noms. Et on mène 1-0 dans cette finale. Belarabi avec Çalhanoğlu. Jouer.
Le départ de Bellarabi, on va passer par l'axe avec Chicharito. Si on peut chercher le 1-2, ce serait pas mal. Voilà, Chicharito qui est servi, magnifique, allez. Et voilà, 2-0, les amis. Très belle action, une nouvelle fois, construite comme je les aime, voilà. J'essaie de m'inspirer du jeu réel, du Barça, du Real Madrid, du Bayern Munich. Beaucoup de gens passent. Et c'est ce qui a été fait, Bellarabi qui va servir Chicharito, qui va finir encore du mauvais pied, du pied gauche, et on mène 2-0. Allez, Çalhanoğlu avec Bellarabi. Un petit dribble de Bellarabi. En retrait, encore en retrait. Et l'on frappe. Ouais, bon, dommage. Bon, bah voilà, les amis. Hein, pour le moment, c'est une petite leçon de football qu'on donne à l'adversaire. Pourquoi? Parce qu'il se crée aucune occasion. On arrive à super bien défendre. En plus, on marque des beaux petits buts. Donc pour le moment, ça se passe très bien cette finale. Hein. Faut être franc. 3 tirs cadrés, 2 buts. L'adversaire n'a rien fait. Donc c'est logique qu'on mène en cette première mi-temps. Allez, on continue. Oh là là, ça, la petite talonnade qui a fait du bien là. Ouh là là, si on peut se marquer là-dessus, ça serait une belle action. Parce qu'en tout cas, ouh là là, Ribéry s'est mis à dribbler aussi. Oh oui, oh bien joué. Avec un petit peu de réussite à la fin, mais l'action elle est vraiment bien jouée. Ça part de Daoud, et qui c'est qui a la conclusion? Daoud, vraiment une belle petite action là. Ribéry qui a fait du mal de son côté. Bon, un petit compte favorable, faut être franc, mais le départ de l'action, la petite talonnade, ça fait vraiment plaisir. Bien joué. Moi, je t'ai vu. Oh oui, magnifique. Daoud, ça me... C'est rentré quand même. Mais quelle action une nouvelle fois. Franchement, aujourd'hui, je suis satisfait de vous proposer un aussi beau gameplay parce que tout ce que je fais, les actions offensives sont vraiment parfaites. Il n'y a rien à dire quoi. Les trois premiers buts sont nickel. Bon, celui-là, ouais. Mais en tout cas, les actions construites, j'adore. Ouf, ouais, j'ai eu peur parce que j'ai pas fait une tête assez puissante. Oh non, 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 je veux pas qu'il tire, je veux pas qu'il tire, je veux pas qu'il tire. Oh bah alors là, j'ai fait une erreur, mais totalement folle, c'est extraordinaire. Mais par contre, c'est extraordinaire aussi comment j'ai appuyé sur une tête et ça a pas fait la tête. Oh là là, oh là là. Oh putain, il a pris tellement cher le gonze. Allez, un petit coup franc là avec Çalhanoğlu. Je sais pas, ça fait longtemps que je n'ai pas marqué un petit but avec lui. Oh, il m'a tiré celui-ci. Oh non. Oh oui! Yeah! Magnifique but en plus parce qu'il me semble qu'il l'arrête. Ça rebondit sur le poteau et ça revient taper l'autre. Oh là là, l'action. Déjà, on a même l'action de base, elle est vraiment magnifique avec Çalhanoğlu. En plus là, poteau. Ah mais non, mais aucun défenseur ne la touche? Attends. Ah si, si, il me semble que son défenseur la touche. Mais bon, vu l'action était magnifique, le coup franc, il aurait dû rentrer, il est rentré au final. C'est l'essentiel. Ah oh oui, je t'ai vu, Bellarabi. Boum. Oh, dommage. Non, skillshot raté. Oh non, j'ai raté le skillshot. Mais what the fuck? Ça voulait pas rentrer, cette action. Bon bah voilà les amis, hein. J'espère vraiment que vous avez kiffé ce match parce que je suis satisfait du niveau que j'ai en ce moment. Et ce fut, il faut être franc, une petite leçon de football. Bon, après j'ai fait, j'ai pas rendu une copie parfaite, faut être franc, parce que le petit but encaissé sur une erreur, mais de débutant, ça fait chier. Mais au final, on leur a montré un petit peu comment il fallait jouer au foot et ça fait plaisir de produire des jeux comme ça. J'aime beaucoup toutes mes actions. Ceux qui suivent mes streams savent très bien quand je joue, c'est beaucoup de passes, beaucoup de passes, beaucoup de passes. Et à force de persister, etc., de persévérer, bah, ton niveau il augmente et ça fait très plaisir. Victoire combien? 5-1, je sais plus, 6-1, non? 5-1, ouais, à la fin j'aurais quand même pu marquer, hein, ça voulait pas rentrer. Les tirs, à chaque fois c'était arrêté par le gardien, oh, ça tapait la barre. Bref, victoire 5 buts 1, on remporte les 5000 crédits. Bon, il a fait 2 tirs cadrés en seconde période, je suis vraiment déçu, surtout du but encaissé, parce que c'est une erreur de débutant. Mais bon, 11 tirs cadrés à 2, le score est largement mérité, on a super bien joué aujourd'hui, de marquer des buts. Un peu sur tout type d'action, des contre-attaques, des jeux posés, un coup franc. Donc c'est franchement ce que j'apprécie. Allez, on va ouvrir le petit pack ici. Un pack joueur de Bundesliga Premium. Il me semble d'ailleurs que c'est un pack invendable. Mais en tout cas, c'est pas grave. C'est toujours un petit pack. Oh, mais bon, pour taper Rafinha, frérot. Rafinha, quoi. Bon, Ramos, c'est vendable ou pas? Non, c'est invendable. Bon, ça fait un petit peu chier. Mais bon, c'est comme ça. Écoutez, il n'y a vraiment aucun joueur qui m'intéresse, à part peut-être lui.
Et lui, qu'on va garder, le reste, on s'en bat les couilles totalement, même si c'est zéro crédit, je m'en fous. Bon voilà les amis, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo, ce fut un très bon match. Petite leçon de football, faut être franc, j'espère que vous avez kiffé le match. N'hésitez pas à lâcher un maximum de pouces bleus sur la vidéo en ce moment. Il y a beaucoup de soutien et ça fait très plaisir, que ce soit via les commentaires ou surtout via les lives Twitch. Donc merci à tous les amis, ça fait très 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 plaisir. Sur ce, prenez soin de vous et on se retrouve très vite pour une autre vidéo. Allez, bye bye!